Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, coloriage aujourd'hui, j'ai commencé un coloriage sur le nouveau livre. Ça y est, j'ai déjà oublié le nom, je vous le mets en bas. Le nouveau livre que je vous ai présenté dernièrement. Donc voilà, j'ai commencé, alors j'ai pris la première page, j'ai commencé celui-là et j'ai commencé par le fond. Voilà. Vous savez que moi, les fonds, c'est rare que j'en fais. Et là, je me suis dit, allez, Didite, fais un fond sur ton coloriage. Alors, j'ai fait un fond avec la technique du drawing gum. Donc, celui-là. Hop, hop, hop. Ça y est, vous allez le voir à l'envers. Je suis désolée. Donc, c'est là. Vous voyez, c'est bleu, le produit est bleu. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo hein, là-dessus. Je vais essayer de vous la retrouver, puis de vous la remettre là, si je la retrouve. Et donc, c'est une technique que l'on met. Alors, c'est comme de la gomme, hein, comme un peu de, comme du plastique. Ça pue. Ça pue. Et on met au pinceau, alors sur le dessin de son coloriage, pour le protéger, pour pouvoir faire son fond. Voilà. Avec un pinceau. Alors, le pinceau, surtout, vous ne l'utilisez que pour ça. Voilà. Parce que, à la longue, votre pinceau, il va être mourte. Voilà. Bon, pas tout de suite, hein, mais bon, un petit peu à la fois, votre pinceau va rendre l'âme. Donc, vous ne l'utilisez que pour ce produit-là. Il vous faut un petit peu d'eau avec un peu de produit vaisselle dedans. Et voilà, vous humidifiez légèrement votre pinceau. Vous prenez les produits et vous mettez ce produit donc sur toutes les parties du dessin pour le vous recouvrez comme si vous alliez colorier votre dessin. Voilà, mais au lieu de le colorier, vous le remplissez avec ça. Voilà, et puis il faut attendre que ce soit sec. Donc, moi hier, bon, j'ai attendu un petit peu. Ben, j'ai attendu un petit peu, ouais, j'ai attendu après souper, voilà. Moi, j'étais sûre que c'était bien sec. Et après, en regardant la télé hier soir, j'ai fait mon fond. Voilà. Donc, le fond, je l'ai fait avec les aquarelles nacrées d'Action. Vous savez, c'est la palette avec les aquarelles sont dans, rondes, nacrées. Voilà, donc je l'ai fait avec ça. Et puis quand votre aquarelle, pareil, est sèche, vous n'avez plus qu'à enlever la gomme qui est sur votre dessin. Donc avec votre doigt, ça va très très bien, hein, ça va vite. On peut le faire avec une gomme spéciale, mais bon. Moi, je n'en ai pas encore trouvé l'utilité pour l'instant. Donc mon doigt me sert bien. Voilà. Donc voilà, la première partie de cette vidéo, ce sera ça. Donc ce sera la préparation du fond et la mise en couleur du fond. Et ensuite, ce sera le coloriage bah, du dessin. Voilà. Là, je vais le faire avec des nouveaux crayons. Donc là, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. Et je vais vous les présenter sur une prochaine vidéo, donc sur la vidéo juste, que vous aurez après. J'ai acheté de nouveaux crayons sur Amazon. Donc, je vais profiter de ce dessin pour voir ce que ça donne. Voilà. Mais bon, je ne vous en parle pas plus maintenant. Sinon, je vais vous spoiler les prochaines vidéos, donc ce n'est pas la peine. Donc voilà. Donc ça, pareil, hein, moi je le trouve sur Amazon. Bon, c'est désolé, hein, vous le voyez à l'envers, mais c'est marqué Drawing Gum. Donc c'est de la marque PBO.
Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous remets également le lien pour retrouver le livre de coloriage. On voit que je ne bouge pas de la maison. Je suis toujours en t-shirt. Alors, ne vous inquiétez pas. Hein, j'ai toute une série de t-shirts pareils. Parce qu'on va dire sur les vidéos, mais elle est toujours habillée pareil. Non. Je change hein, mes t-shirts. C'est parce que j'en ai toutes moins 5-6 qui sont pareils. Je suis toujours en train de mettre les mêmes, comme je ne bouge pas, que je ne bouge pas de la maison. Je mets mes vieux t-shirts. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de m'habiller à la tralala à la maison. De toute façon, avec le temps qu'il fait, ça ne sert à rien non plus. Mais bon, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours habillée à peu près pareil. Mais c'est normal. Je ne fais pas de tralala, moi. Pas du tout. La simplicité avant tout. Voilà. De toute façon, vous l'avez déjà remarqué, hein, moi. Ça, c'est bien quand j'étais jeune. De me pomponner, de faire ci, de... Maintenant, je pense que ce n'était pas le thème de la vidéo. Hein. Donc voilà, alors vous allez voir le début de la préparation de ce coloriage, du coup, puisque là, il n'y a que le fond. J'espère que ça va vous plaire. Alors, si vous avez des questions pour cette méthode, hein, ce produit, n'hésitez pas à vous me le demander en barre d'infos. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Alors, comme je vous ai dit, je vais voir pour vous remettre la vidéo hein, que j'avais déjà fait sur ce produit. Et je sais qu'il en existe hein, d'autres marques. Mais bon, moi, pour l'instant, je ne suis pas embêtée avec celui-là. Donc, je n'ai pas envie de changer. Donc, tant que je ne suis pas embêtée, je ne change pas. Donc, voilà. Allez, je vous fais des gros poutou. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais plein de bisous. Et j'attends vos commentaires. À bientôt. Bisous. Bon visionnage.
Thank you.